Salut. Alors, ton match Tinder ? Attends, je te raconte. Un coca, s'il vous plaît. Je l'ai vu vendredi soir. On avait rendez-vous ici à 19h. Sur le chemin, je drague Van en lui écrivant sur Tinder. Pour reconnaître, c'est facile, je suis 1m60. Elle me répond en vannant. J'aurais un bandana peace and love, un pancho péruvien et un pantalon pas de def. En fait, c'était pas une vanne, elle était vraiment fringuée comme ça, mais ça lui allait presque bien. Elle me dit salut. Elle sortait d'un cours de flûte de pan, quoi. Ouais. 30 ans, parisienne, mi-bobo, mi-paumée, une bobomée. C'est pas ouf, hein, comme punchline. Non. Je l'ai senti en disant. Je fais. T'as bien senti, ouais. Du coup, j'enchaîne. Allez, ok. Elle dit t'as de la chance, d'habitude, je suis en retard. T'as de la chance, d'habitude, je suis plus petit. On va là? Je vous sers quoi? Je vais prendre une pinte de blanche et un Perrier. Tu vas prendre un Perrier? Bah ouais, je bois pas d'alcool. Elle a souri. Tu sais, le petit sourire de maman très humiliant qui dit c'est mignon. Ensuite, la conversation qui s'enchaîne est triste à mourir. On a clairement rien à faire ensemble. Par exemple, on parle de nos vacances. J'étais en vacances à Los Angeles et j'ai visité le musée du flipper. Nanani, nanana, 3 mois en Inde. Tellement enrichissant, tu vois. Mais bon, après, j'ai eu une grosse tourista. Mais quel souvenir! Quel souvenir! Je change de conversation parce que les voyages de hippie, c'est pas mon truc. Et en fait, je bois pas d'alcool et je prends pas de drogue non plus, parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Putain, mais moi c'est pareil, j'ai fait le même cheminement, quoi. T'as déjà essayé l'AMD? Ben non, puisque je prends pas de drogue. Ouais, mais l'AMD, c'est pas pareil, faut que t'essayes un jour, hein. Bon, on y va, j'ai chaud. On va prendre l'air? Ok. Dehors, elle m'explique ses histoires avec les mecs. Ils ont tous les mêmes points communs. Musclés, bruns, barbus. Grand, cheveux longs. Là, c'était clair. On n'avait rien à foutre ensemble. Je me dis, bon, bah, je vais lui payer ses deux pintes, lui faire la bise plutôt que la baise et rentrer chez moi me branler. Sauf qu'avant de rentrer, elle me roule une pelle. Ah putain, la chaudière. Ouais, mais je comprends pas pourquoi elle m'embrassait. Cette soirée partait tellement mal, elle m'a dit. Bah alors, tu parles plus? Non, c'est juste qu'avant, j'étais avec une fille, j'étais amoureux et du coup, là, je sais pas trop ce que t'attends de moi. Donc, c'était il y a 4 ans et moi, je vis avec son fantôme et elle vit avec un prof de judo. Mais t'inquiète, hein, moi aussi, j'ai un mec, hein. Je paye. 34 euros. Putain, Paris, c'est tellement cher que tu dois baiser ton PEL pour 3 bières et 2 Perrier. On se retrouve dans la rue, elle est bien pétée après ses 3 pintes et du coup, elle a un sursaut de conscience politique. Tu sais ce que je pense? Non. Je pense qu'il faudrait tuer Trump. Bah moi, je pense que je vais rentrer parce que demain, j'ai un festival de BD très tôt. Ah ouais, c'est vrai, tu fais de la BD. Moi, je suis pas fatiguée, je vais rentrer à pied. Ok, donc c'est un message pour que je l'invite chez moi. Mais on n'a rien à foutre ensemble. Puis je me dis merde, c'est une rencontre Tinder, j'ai payé 34 euros, je la nique. Ça te dirait de voir mon chat? On se retrouve chez moi. Et là, ton chat te dit, ah ouais, donc tu te sers encore de moi pour baiser, quoi. Miaou. Mon chat, c'est pas un bâtard comme toi. On se retrouve dans ma chambre, on baise. Change. Oh, mais ça marche pas très bien. On est gauche, ça sonne faux à chaque étape. Et d'un coup, attends, en plein milieu du truc, elle me dit. Bon, on est des adultes, ok? Alors vas-y, les choses franchement. C'est pas toi, t'en fais pas. Ta bite, elle est très bien. Mais on va arrêter là. Ta bite, elle est très bien? Oui. Elle a pas dit ça? Bah si. Donc oui, ta bite, elle est très bien. Enfin, moi j'ai pas de problème avec ta bite. L'absolu, elle est très. Oui, non, si, c'est vrai, elle est très bien. Mais la tienne aussi, est super. Bah, ça me touche, ça. Ouais. Du coup. Oui. Ouais, du coup. Tu me donnes que dalle. Tout ce que tu fais est mécanique. Autant on se connaît depuis 3 heures et via Tinder en plus, donc bon. Ouais, bah peut-être, mais ça empêche pas de donner un minimum de sentiments, tu vois, parce que là tu donnes rien en fait. Tu l'aimes encore l'autre, c'est ça, hein? Bah ouais. Elle se barre dans le salon et je reste là entre rire et incompréhension, et puis très rapidement je me dis, oh merde, s'il prenait l'envie de tuer mon chat. Donc je flippe et je la rejoins. Là, elle est en train de finir de s'habiller, mais je vois clairement qu'elle est vénère. Je lui dis, t'inquiète pas, on va pas coucher ensemble, juste je voudrais qu'on discute pour comprendre ce qui se passe. Il se passe? Je suis pas un bout de viande, ok? Jamais on m'a baisé comme ça sans rien me donner. Pas une étincelle de sentiment, rien. Je suis trop vieille pour ces trucs-là, tu vois. Moi, je veux des enfants, moi. Des enfants, tu comprends? Et c'est pas grave, je vais t'appeler un Uber pour que tu rentres en toute sécurité, ok? Je l'ai raccompagné à la bagnole, j'ai vu le Uber s'éloigner. Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de faire le bruit, hein. Je l'ai très bien, la voiture. Mais t'avais compris que c'est un diesel? Et justement, c'est ça. Ouais, c'est très très clair. Ah ouais? Ouais, je suis content. Parce que tu m'avais déjà fait l'essence? Oui. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Non. Tu veux voir l'essence pour voir? Ah là, parce qu'il était au croisement. Et juste comme ça, fais voir par exemple la tronçonneuse. Le canard, genre. D'accord.